impressionné du voyage. Surtout ça, après, c'est sûr qu'on a, on a fait un bon parcours là-bas, autant footballistiquement que de découvertes culturelles. C'était enrichissant. C'était un voyage enrichissant, voilà. S'il y avait une image à garder en mémoire de ce périple, ça serait quoi? Il y en a tellement. C'est différent de chez nous, c'est vraiment autre chose. Mais je pense que l'image à retenir, c'est la solidarité dans le groupe. Même après la défaite en demi-finale, on est tous restés solidaires et voilà. Et maintenant, il faut repartir au lycée. C'est ça. On retourne en cours. Enrichissant, un beau pays, une belle découverte. Je suis très content d'être parti là-bas parce que je le ferai certainement plus jamais de ma vie. Donc voilà, c'était sûrement le plus beau voyage de ma vie. Comment ça s'est passé entre vous dans le groupe, la vie entre ces 18 jeunes de 17 ans? Ouais, ça s'est très bien passé, on s'est tous entendus, il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu de clan ni rien, on s'est tous bien entendus. Et les contacts avec les autres délégations étrangères? Toutes les autres délégations, ils nous ont tous parlé, ils nous ont tous appris leur langue, ils ont vraiment parlé avec nous beaucoup. Qu'est-ce qu'on va retenir d'un voyage comme celui-ci? C'est très différent de notre culture à nous. Le contact avec les autres pays, c'était vraiment différent de nous. Ils sont très souriants, ils se contentent de peu. Et voilà, ils se contentent de rien. Alors c'est vraiment un sentiment d'avoir vécu quelque chose d'unique, d'exceptionnel, tant au niveau humain que sportif. C'est que ça a été quand même la première Coupe du Monde des programmes sociaux. Et aux derniers échos qu'on a pu entendre là-bas, ça sera sûrement pas la dernière. Donc on a été les premiers à y participer. Après, au niveau humain, échange avec les autres délégations, ça a été vraiment bénéfique pour les enfants, en tout cas les nôtres, qui ont pu se rendre compte que les problématiques qu'ils peuvent rencontrer ici en France ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Donc ça, je pense que ça les a marqués. Visite des quartiers défavorisés, des Colombiens qui n'ont pas les mêmes problèmes qu'eux. On est vraiment sur des problèmes assez graves qu'ils peuvent eux rencontrer dans leur pays et se rendre compte qu'eux, en France, ils ont vraiment une chance, que ça soit scolaire, que ça soit sur le plan de leur développement tout simplement. Alors 14 jours, c'est long, il faut vivre en groupe. Comment ça s'est passé? Alors, très bien, les enfants ont très vite compris qu'il fallait raisonner collectivement, comme sur un terrain. Le football est un sport collectif, donc 14 jours ensemble c'est très long et à aucun moment on a senti que l'un ou l'autre, ça n'a gêné personne. Est-ce que tu as senti que leur regard il a évolué au fur et à mesure des découvertes qu'ils faisaient sur place? Oui. Très... Bon, on avait déjà eu plusieurs temps de travail avant le départ. On a bien expliqué les choses, mais ça reste que de la théorie. On était 14 jours là-haut, ça a été un peu plus sur la pratique, donc ils ont pu voir, ressentir les choses. Donc je pense que leur regard aujourd'hui n'est pas le même qu'avant leur départ. Et ton regard à toi, à titre personnel, comment il a évolué? Est-ce qu'il y a une image qui te reste en tête? Les images, on a beaucoup. Après, en retenir une, c'est compliqué, mais c'est vrai que la visite du quartier Bella Italia, ça a été vraiment... En plus, ça a été tout de suite le premier ou le deuxième jour, il me semble. Donc ça va tout de suite la scission entre la vie en France et la vie là-bas, quoi. Je pense que c'est une des images marquantes, la visite au quartier Bella Italia. Après, il y en a bien sûr d'autres, mais celle-ci restera. Et demain, c'est retour au travail. Demain, retour au travail, ouais. Mais bon, la réalité... Elle est comme ça et puis après ce qu'on a vécu là-bas, se plaindre pour aller au travail, pas le droit. Merci et pour tout ce que tu as fait. Salut. Salut.